Kavungu Kambale Gloria est une joueuse du football club Benisport, un club qui évolue au sein de la Ligue nationale de football féminin. Elle vit à Beni, une zone où crépitent les balles tous les jours. Qualifié pour la Coupe du Congo, le club a représenté la province du Nord Kivu à ses championnats version féminine qui s'est disputé du 16 au 28 juin à Kinshasa. Une occasion pour cette footballeuse de découvrir la capitale, mais aussi et surtout le stade des martyrs de la Pentecôte. Un rêve pour Gloria et plusieurs de ses coéquipières. Nous avions commencé dans les bas âges. Nous jouons le football de la rue avec des ballons là, des kisika dans notre langue maternelle. Nous avons évolué et nous sommes maintenant là dans un club donc, qui est en train d'évoluer, qui est en train de promouvoir le football. Le football est une passion pour Gloria. Autour du ballon rond, elle construit son avenir. De cette passion, cette ressortissante des Beni trouve le meilleur moyen de lutter contre le traumatisme de la guerre qui secoue sa province. Il y a quelques années, elle a été témoin oculaire des massacres perpétrés par les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF. Parmi les victimes, sa propre grand-mère, tuée sous son regard impuissant. Vraiment, c'est très compliqué chez nous, donc, parce qu'il y a des fois où on tire nombreuses personnes. Et personnellement, hein, on a égorgé la grand-mère. Ça m'a fait du mal, ça m'a traumatisé. Gloria et ses coéquipières ont placé la barre haute en participant à la Coupe du Congo édition 2022. Elles espéraient remporter la victoire finale et ramener la coupe dans leur Beni natal, dans la province du Nord Kivu. Cette chance ne leur a pas souri. Benisport a donc été éliminé en phase de groupe, battu 5-0 par Amanisport. Une élimination qui n'affecte en rien la passion du ballon rond qui habite Kavulu Kambale Gloria.